lis, comprendre. Méditer sur une parole qui sacré, qui sort sinon source divine, c'est ça nous tout à supposé faire. Mais est-ce que c'est lui nous fait? Pas connait. Mais il est vraiment important et c'est pour raison ça nous porter la parole. La parole c'est une rubrique qui basée sur la Bible. Et dans la rubrique ça, pasteur Philel Jocelyn va étudier la Bible avec nous. Livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset. La pour plaisir pour nous pour faire parcours ça avec nous. Ou même qui t'a souhaité faire parcours ça avec nous, suivez-nous sur YouTube, Facebook avec Instagram. Calvary Chapel pour presse. Ma pour dire encore. La parole c'est une rubrique qui a étudié la Bible. Livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset. Merci. Le nous kembi, parole nous n'est oui. Le oui nous c'est oui, non nous c'est non. Ça fait que nous c'est des hommes et des femmes de caractère. Bonjour, bonsoir, bienvenue dans la parole. Côté que nous avons continué l'étude, nous dans Néhémie chapitre 13. À nous prier. Seigneur, nous bénissons, nous te merci parce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ a été accepté de vivre, mourir et ressusciter pour nous la vie qui n'est pas bien finir. Guidez-nous, dirigez-nous, conduis-nous. Au nom de Jésus, nous t'apprenons ainsi. Amen. Néhémie chapitre 13. Après que Néhémie, songez que Néhémie, dans le commencement, il te dit, ouais, il te fixé un temps, by ouais, et un petit temps que nous, ouais, qui t'a pas duré 12 années. Le Néhémie finit après 12 ans, ça y est, Néhémie nous parle que Néhémie était retourné à Perse pour lui aller jouer fonction li. Pas oublier que c'était un bon entente qui était menel qui était bal accès à lui, donc il retourner dans fonction li, il pas fait abandon de poste. Dans chapitre 13 verset 1 nous lit dans ce temps on lut en présence du peuple dans le livre de Moïse et l'on y trouva écrit que l'ammonite et le moabite ne devraient jamais entrer dans l'assemblée de Dieu parce qu'ils n'étaient pas venus au devant des enfants d'Israël avec du pain et de l'eau, et parce qu'il avait appelé contre eux à prix d'argent Balaam pour qu'il les maudit. Mais notre Dieu changea la malédiction en bénédiction. Lorsqu'on eut entendu la loi, on séparera d'Israël tous les étrangers. Mes amis, texte là montre nous importance qui gagne les noms à lire parole bon Dieu. Pendant peuple a appelé, pendant appelé pour peuple a réalisé, oui, nous n'en erreur parce que ça a été interdit et mais c'est ça que nous avons accompli. Donc, il a changé automatiquement. Parole, bon Dieu, extrêmement important que moi encourage, lis, parole, bon Dieu, lis la Bible, apprends-nous, méditer, parole, bon Dieu. Mais l'autre bagaille que je vais attirer l'attention, nous tout. Histoire important, faut que nous connaissions l'histoire, nous faut que nous retransmettions l'histoire, bah, timounio. Peuple a apprendre ça qui gagne puisque le livre la Bible te servi comme livre d'histoire pour peuple là yo apprendre de histoire de passé yo et yo fait correction histoire Balaam ça li causé dégâts li te fait pile tort avec peuple Israël et bon Dieu t'a pral juger moi vle attirer attention nous m'a pral anti pour nous tendre ça qui est texte là dit nous que yo te relé a pris d'argent Balaam pour te vinn maudit peuple là mais qui est qui te relé Balaam Balak. Pourtant responsabilité ya li pral attribuer avec tout peuple là. Qui ça me veut dire par là? Moun ki leader sous tête nou yo. Dega que yo fait petit tout, petit mo pral payer yo. Donc c'est ça qui fait que bon Dieu mandé nous pour nous choisir leader nou yo avec soin, pour nous pas choisir leader nou yo sous émotion, ni pour nous pas choisir leader nou yo sous ça que yo ka ban nou immédiatement. Sous combien kob yo ka payer nous pour nous voter yo, sous combien kob yo ka payer nous pour nous faire choix de yo même? Non, parce que conséquence ça yo, les nous choisi inconséquent mettez diriger nous, nous pral payer conséquence inconséquence. Texte clair que nous besoin apprendre de ça. Balaam devini qui est qui relé le Balak pourtant petite yo peuple la pral payer conséquence. Le bon Dieu pral di pa blé royoun la caille moyen en temps moyen. Et quand l'autre bémol me mettait, c'est pas dit il dit que pour ne pas prendre pour dire que monde ça pas qu'à sauver, non, il pas parler de salut là, il a parlé de gestion temple. Verset 4. Avant cela, le sacrificateur Eliashib établi dans les chambres de la maison de notre Dieu et parents de Tobija.
avait disposé pour lui une grande chambre où l'on mettait auparavant les offrandes, l'encens, les ustensiles, la dîme du blé, du mou et de l'huile, ce qui était ordonné pour les lévites, les chantes et les portiers, et ce qui était prélevé pour les sacrificateurs. On l'a désordre en fait là dans le temple pendant que Néhémie quittait. Qui s'est passé? Néhémie, il finit, il est allé. Donc nous parlons de travail qui pourrait le faire là. Eliashib, il prend Tobija, il ballon espace dans la chambre. Si nous songeons dans le chapitre 9 là surtout, Tobija qui est cité. Dans le commencement du livre, ouais, Tobija, Sambala et autres, c'était ennemi juif, il n'y a pas de construction en fait. Mais puisque Eliashib, en tant que sacrificateur, il a confié l'eau avec Tobija, et bien, il prend un ennemi, il vient mettre en dedans le temple. Et travail, ça, Néhémie pour le gagner pour le tourner, Néhémie pour l'adresser. C'est extrêmement important pour nous assurer notre continuité. C'est extrêmement important pour nous connaître qui est qui a établi sous tête nous. Dans verset 6, Néhémie dit, je n'étais point à Jérusalem quand tout cela eut lieu, quand j'étais retourné auprès du roi la 32e année d'Artaxerxès, roi de Babylone. À la fin de l'année, j'obtins du roi la permission de revenir à Jérusalem et je m'aperçus du mal qu'avait fait Eliashib en disposant une chambre pour Tobija dans les parvis de la maison de Dieu. Et quand mon nom qui était rentré, non, c'est encore qu'on est, c'est ennemi. Travail, bon Dieu, c'est ennemi, bon Dieu. Donc, les liens entre dans Sion, c'est un crime, c'est une douleur qu'on quitte ou même, ou choisi, mettez dans la famille, ou choisi, mettez auprès de vous-même. Verset 8. J'en éprouvais un vif déplaisir et je jetais hors de la chambre tous les objets qui appartenaient à Tobija. J'ordonnais qu'on purifiât les chambres et j'y replaçais les ustensiles de la maison de Dieu, les offrandes et l'encens. Besoin courageux pour faire travail ça. Donc Néhémie c'était un homme de courage. Néhémie retournait juste permission de nommer roi, il retournait vinn visiter travail que il t'ai fait, vinn visiter, vinn assurer que travail là continue et les loi dégâts ça, il pété coquin et il prend courage d'y à deux mains, il jeter Tobija, il fait purifier, il restaurer l'ordre dans espace là, il restaurer ça qui doit restaurer dans place yo. Les Néhémie retournent du jeune peuple à te guettant détourné ou de engagement. Comprenez bien, jean peuple là, c'est ton peuple au courant. Jean, moi-même avec vous, si nous pas demeurer dans la parole, bon Dieu, n'a fait plus mal. Puisque peuple là, Néhémie en est allé moins que 12 ans, environ 12 ans, travail là t'as fait. Non, titan tout coûte, Néhémie séparé de eux-mêmes, et les Néhémie retournent du jeune yo guettant en fait des gars. Yo guettant violé ça que yo te prend, yo guettant violé engagement que yo te prend. Moi-même avec vous, nous prenons engagement pour nous marcher avec bon Dieu. Si vous pouvez prendre engagement, ça songe en tant que pécheur, ça l'est péché, c'est la mort. Et cadeau gratis, bon Dieu, c'est la vie éternelle. Et lorsqu'on prend engagement, ça, on a besoin de demeurer dans la parole, bon Dieu. Nous, on a besoin de demeurer dans la parole, bon Dieu, pour nous quitter la parole, bon Dieu. Guider la parole, bon Dieu, mener nous pour nous pas causer dégâts, pour nous capables de respecter l'engagement. Nous. Que bon Dieu bénisse nous. Seigneur, nous bénissons, nous te remercions pour grâce, merci pour bonté, pour fidélité. Guidez-nous, dirigez-nous, quimbez-nous, Seigneur, pour nous respecter l'engagement. Nous prions dans le nom de Jésus. À lui seul soit la gloire au siècle des siècles. Amen.